Salut à tous, et je voulais juste vous faire un petit coucou très très rapide pour remercier les gens qui sont venus voir le kangourou à Biarritz, à Limoges, à Bordeaux, à Toulouse, et vous dire que le kangourou sera le 9 au soir à Aix-les-Bains. Voilà. Et pendant ce temps, à la télévision passera l'émission des 5 ans, des années bonheur, une émission, alors là vous aurez tout le monde, vous allez pouvoir vous éclater, chanter pendant toute la soirée, ça passera sur France 2. Je voulais vous dire également que hier soir on a enregistré un cabaret magnifique qui passera au mois de novembre, il y en a un qui va passer le 16 octobre. Voilà, c'est juste ce petit coucou très très rapide pour vous dire que je pense à vous, que je vous remercie de vos messages, et puis vous donner un petit truc, parce que j'ai vu dans les commentaires que vous cherchiez à quoi ressemblait la musique de Grazie Mille, et en fait c'est une musique que j'ai composée, mais on y a ajouté à l'intérieur, effectivement, comme l'ont remarqué certains, la musique d'un film qui s'appelait La Violettera. Voilà. Et j'ai demandé l'autorisation, bien entendu, qu'on m'a accordé très gentiment. On m'a donné l'autorisation d'inclure dans la chanson originale cette musique de La Violettera qui correspond au premier film que j'étais allé voir avec ma maman il y a très très longtemps. Et j'ai voulu en faire une tarentelle. Voilà. C'est pour tous ceux qui se posaient la question, qui disaient, tiens, on a déjà entendu cette musique quelque part, c'est donc bien La Violettera. Voilà. Et cette chanson, vous la retrouverez à la fin des cabarets, à la fin des années bonheur. Nous sommes en train de préparer les nouvelles années bonheur qui seront là à la fin du mois, où il y aura toute une pléiade d'artistes. Je vais même peut-être vous donner déjà les artistes qu'il y aura dans la première des années bonheur à la fin du mois. Il y aura Collectif Métissé, avec leur nouveau titre là, qui vous a fait danser tout l'été. Il y aura Michel Fugain, Les Chevaliers du Fiel, Séverine qui chantait Un banc, un arbre, une rue, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait gagné l'Eurovision, William Baldé, Un rayon de soleil, Michel Bougenat, Gilbert Montagné, Alain Barrière, Coq Robin, Véronique Dicker, la nouvelle imitatrice extraordinaire, Hugo Frey, Olivier Villa qui va venir chanter sa chanson, Madordogne qui est magnifique, Christelle Cholet, La Rousseau, Johnny Clegg, Anne Van Der Love, pour ceux qui s'en souviennent, qui chantait une magnifique chanson qui s'appelait Balade en novembre. Didier Gustin, qui va m'accompagner toute la soirée, le groupe Otawan et Phil Barnet. Voilà, ça c'est pour la première émission des années bonheur qu'on va enregistrer bientôt. Et dans la deuxième, vous avez des scoops, hein, il y aura qu'on va enregistrer qui passera en novembre, elle. Il y a El Château, il y a Patrick Fiori, Les Chevaliers du Fiel, toujours, puisqu'ils sont pensionnaires. Eddie Grant, vous vous souvenez, Give Me Up, Johanna. Claude Barzotti, qui fera un medley, Zaz. Danny Brion, Nicoletta, Laurent Chamberle, Richard Gottener, Phil Collins, eh oui, Désirless, Vincent Boscato, Jairo, Dorothée, Régis Maillot, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, Yannick, qui chantait ces soirées-là, et puis un groupe qui s'appelait Full Garden et qui chantait Lemon Tree. Voilà, vous avez le programme des festivités pour les deux premières années bonheur, où j'espère qu'on va vraiment, vraiment s'amuser. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou, vous embrasser très, très, très fort et vous remercier encore une fois que vous soyez autant fidèles à nos émissions, que vous soyez fidèles au théâtre, et vous dire que l'été prochain, à partir de juin, comme les galas d'été cet été avec l'Orchestre de René ont vraiment bien, bien fonctionné, eh ben on va repartir. Donc, si vous avez envie de nous avoir cet été, quelque part, dans une ville, où vous voulez, eh ben on sera disponible, on ira faire la fête avec vous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu la voix cassée, mais c'est normal, hier soir, il y avait une ambiance de feu dans le cabaret et j'ai chanté très fort.